son adresse à la nation, le président élu avait donc choisi la date du 20 janvier pour rendre public le cabinet qui devrait accompagner le peuple congolais dans le combat pour la récupération de sa souveraineté. Nous y sommes déjà. Et donc, sans plus tarder, je vais donc inviter M. Moalemu pour procéder à la lecture du communiqué d'IRICA, du président élu. Merci. Pour donc procéder à la lecture du communiqué de presse en rapport avec la publication du cabinet annoncé donc par le président élu. Monsieur Moalemu, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, bonjour. Je sais que vous attendiez sans doute le président élu, Martin Fayulu Madidi, mais souffrez que ce soit moi. Je vais donner lecture du communiqué de presse du cabinet du président élu, Martin Fayulu Madidi. Je suis Jean-Claude Moalemu, son directeur de cabinet. Mesdames et messieurs de la presse, lors de son adresse à la nation, Fayulu Madidi avait fait un diagnostic sévère et révoltant de la situation politique, sécuritaire, économique et sociale de notre pays. Aussi avait-il annoncé la mise en place d'un cabinet pour accompagner le peuple congolais dans la reconquête de sa souveraineté. Un cabinet de combat composé de femmes et d'hommes qui s'engagent résolument pour un Congo fort, digne et prospère. Une équipe dynamique composée d'anciens et de nouveaux en politique, certes, mais aussi des jeunes, des technocrates, des membres de la société civile et de la diaspora. Il y a lieu de préciser tout de suite que le cabinet n'est pas un gouvernement parallèle, mais comme je l'ai indiqué tout à l'heure, une équipe de combat avec deux axes principaux, à savoir l'axe de gestion sectorielle et l'axe opérationnel. L'axe de gestion sectorielle comprend les 20 secteurs suivants. 1. Affaires étrangères, intégration de l'Afrique médiane et congolais de l'étranger. 2. Justice, réformes institutionnelles et droits humains. 3. Intérieur, décentralisation, affaires coutumières et cohésion nationale. 4. Défense, anciens combattants et sauvegarde de l'intégrité du territoire national. 5. Économie et finance. 6. Budget et portefeuille de l'État. 7. Affaires foncières, urbanisme et habitat. 8. Éducation nationale, recherche scientifique et développement du numérique. 9. Culture, industrie créative et patrimoniale, tourisme et médias. 10. Électricité, hydraulique et projets énergétiques durables. 11. Agriculture, pêche, élevage, développement rural et sécurité alimentaire. 12. Transport et mobilité. 13. Travaux publics, routes, chemins de fer et ports. 14. Santé,
hygiène. Je voulais dire hygiène publique et affaires humanitaires. 15, environnement, climat, salubrité publique et développement durable. 16, genre, famille et solidarité. 17, fonction publique, emploi et formation professionnelle. 18, industrie, commerce extérieur et entrepreneuriat. 19, mines et hydrocarbures. 20, sport, jeunesse et éducation citoyenne. Ce cabinet travaillera d'arrache-pied pour intensifier la mobilisation du peuple congolais autour de la proposition de sortie de crise du président élu, de manière à déclencher la mise en œuvre et sa mise en œuvre et permettre aux parties prenantes d'entreprendre consensuellement des réformes institutionnelles profondes, urgentes et nécessaires. Ces réformes porteront notamment sur la Commission électorale nationale indépendante, la loi électorale, la Cour constitutionnelle, l'armée, la police et la sécurité, la lutte contre la corruption, ainsi que la justice et les droits humains. Les actions du cabinet seront guidées par les 10 principes suivants. 1. La souveraineté du peuple congolais. 2. Vérité des urnes. 3. Le respect de la Constitution et des lois de la République. 4. L'intégrité du territoire national. 5. La bonne gouvernance et la lutte contre la corruption. 6. L'indépendance de la justice. 7. La lutte contre les antivaleurs. 8. La promotion de l'état de droit et le respect des droits humains. 9. Le bien-être et la prospérité du peuple congolais. Et 10. Enfin, l'égalité des chances entre Congolais. Cependant, mesdames et messieurs, au regard de la nature très complexe du combat et pour des raisons de dispositifs organisationnels, stratégiques et opérationnels, les noms des membres du cabinet restent confidentiels à ce stade. Mesdames et messieurs, le président élu et son équipe se battront pour la tenue des élections générales anticipées. Le peuple congolais n'acceptera aucun glissement du régime usurpateur en place. Comme il n'acceptera plus jamais la tricherie, la fraude opérée lors des élections du 30 décembre 2018 doit être la dernière, car le respect de la Constitution de la République doit s'imposer à tous et la force de la vérité doit primer. Pour rappel, dans son discours du 30 juin 1960, notre héros national, Patrice Emery Lumumba, dont nous saluons la mémoire, soulignait que, je cite, nul Congolais, digne de ce nom, ne pourra jamais oublier que c'est par la lutte que l'indépendance de notre pays a été conquise. Une lutte de tous les jours, une lutte ardente et idéaliste, une lutte dans laquelle nous n'avons ménagé ni nos forces, ni nos privations, ni nos souffrances, ni notre sang. Fin de citation. Aujourd'hui, notre lutte est triple. La défense de notre souveraineté, la libération du peuple contre la dictature et la protection de notre pays contre son implosion et sa balkanisation.
Nous avons élu Martin Fayulu Madidi président. Il ne nous abandonnera jamais. Mieux vaut être avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Matthieu 11, 25. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo, et je vous remercie. À la République démocratique du Congo, vous savez tous que depuis le 30 décembre 2018, depuis 2019 en janvier, les résultats annoncés ont été tripatouillés, ont été faux. Et aujourd'hui, notre combat à nous, c'est bien sûr de l'accompagner dans ce plan de sortie de crise qu'il a mis sur table pour bien sûr avoir des réformes sur la CENI, des réformes sur la loi électorale, des réformes sur la Cour constitutionnelle, des réformes sur l'armée et la police, des réformes pour combattre la corruption et sur la justice et les droits humains. Et pour arriver à cela, il a bien sûr besoin d'être accompagné de gens performants, de professionnels qui pourront l'accompagner bien sûr dans cette tâche. Parce que nous avons un objectif précis bien sûr, de nous battre pour avoir des élections anticipées en République démocratique. Non, nous avons clairement dit des élections anticipées. Pour le moment, nous nous battons pour avoir des élections anticipées en République démocratique du Congo. Parce qu'il est anormal de laisser un peuple périr à ce niveau parce qu'il est aujourd'hui géré par des personnes irresponsables. Voilà. Merci. Voilà, bonjour Landabiso partout à travers le monde. Merci Nabino, merci la confiance pour faire la télévision Nabino, nouvelle tendance télévision. Et Bauti Koyo Kabongo, discours Yamon Amboka, Martin Fayulu, Ozalaki. Des femmes et hommes ont vendu pendant plusieurs semaines pour nous préparer la stratégie. Et dans le micro, peut-être que vous voyez, mais c'est que les pays allaient. Tout le monde est sauté. Monte que non les canisaux besoin d'un gouana et qu'obima na baba la pona kotambola et tout revendiquer et tout. Monte que non beaucoup baby ça idée oh yoba nambo kana basangani ndeko chiseke din ndeko Jean Pierre ndeko katumi basangani pona inyona songa. Monte que beaucoup baby ça idée wana boya ko distraire bango. Ndeko langaye na kasete oko chola peuple na biso. Na moment to koloba na yo awa. Vous venez de voir ici à Ituri plus de 49 Congolais assassinés enfants et femmes. Tu sais quoi assassiner une femme c'est ce que ça veut dire? Non seulement c'est une vie, mais moto o a sa reproduction. Pour être yobotama, moi c'est moko o a éprouvé douleur à zalé na simano. Attaque le loto comme on a été. Attaque aussi comme on a été. Mais bah assassiner, oui pour assassiner moi na ça que ça veut dire. Oh le moi na quoi qu'apporter na société. Déjà ça c'est symbolique assassiner moi si na moi na est. Bah toi ouande c'est que toi qui la mawa. Il faut te penser na bango. C'est la bango de photo pensée. Au Congo, c'est ma Cambodia, union sacrée, sacrée, salée. Non, on peut même plus en parler. Boti que la Kabound, boti que la Chilombo, boti que la Ndeko Bemba, boti que la Katumbi, matière na bango. Boti na biso toto bando commenter Marie Marco le camion sacré. Union sacrée, le baki na bino, ils allaient seconde des grossesses. Il y a eu ce cache. Le lobe on dit mieux en côté. On peut s'abuser à raisonner. Toi, on a besoin à raisonner. Bolandi lambe menda lobina bino kabila mutalobina biso to kota nyo sacré ezali bor ya kabila pe ezali makanisa kabila. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise dans quelle langue? Non, vous n'êtes pas comprendre. Qu'est-ce que va comprendre que non ezali idée moko ya malamu yango bango ba bien nango. Ah, c'est ezali idée ya malamu. Botika idée ya malamu nyo so ebota ka mbuma nango. Nzete ya malamu ebota ka flerte. Suka suka te boti fololo et que bota pe mbuma. Donc mon mbuma nyo sacré. Voilà, tout ça ko ko bakaka na série ba interview na biso na sima ya koyoka ya koyoka. Oui, vous dites que tant que directeur à cabinet y a Ndeko Martin Fayulu, vous dites que sur la pointe c'est pingé, parce qu'on a Ndeko Bolojoa, Ndeko Bolojoa en beauté. Beauté Ndeko Ngai, beauté na balance. Bande kunyoso mukili mo bazai ko landa biso, est-ce que na manyoso oyo ba yoki kuna na le kota ya lifo ala ça. Oki ko limbola mo na mukie na lingala olo banini. Bon en tout cas, félicitations d'abord na kulutu Martin Fayulu. Parce que l'attitude onga lingaka na moni pa na yango ne na moni. C'est vrai que dans le fond, tu as rappelé à bas point à divergence mingité, mais dans la forme, n'est pas un problème. Voilà. Et là on a séparé les alliés à l'obéir à la équipe y a combat.
C'est-à-dire qu'une équipe, il y a des révolutionnaires, des gens qui vont défendre les intérêts du peuple. Mais cette fois-là, il y a quoi empêcher à ce que baboute le peuple pouvoir. Voilà. Et ça, là, pas si. Il y a comme on a que 18 millions de Congolais bah, qui ont penza qu'au voter. Mais M. Kabila n'a pas habité. Ma voix a battu nous autour des alliés importantes. Ok. Voix des alliés importantes, des alliés voix. Abi, allez, nanga, tiamoutouan. Et les gens ont cautionné. Conséquence, il y a usurpation, il y a élection, il y a résultat. Il y a un créé dysfonctionnement systémique. Oh, Monique, un président pleurnichard, a créé mille lamentations, il s'est plaint. Pourquoi? C'est justement parce qu'on n'a pas respecté le choix du peuple. Au moins, ceux qui ont continué la dimension métaphysique et à pouvoir. On va se rendre compte que c'est lui qui a bénéficié d'un suffrage à peuple, à la revêture de la légitimité. Voilà. La légitimité a une dimension métaphysique. Je vais comprendre un autre. Aujourd'hui, ce que je veux dire, la boulouille qui est boulouille qui est l'élo, c'est justement parce que M. Félix n'a pas d'alliance avec le peuple. C'est quoi le problème des années? En 2018, il y a une forfaiture électorale. Mais au même moment, Bato va bénéficier d'une forfaiture électorale, Bazako s'organiser pour occasionner encore une autre forfaiture électorale. Cette fois-là, la personne qui sera à la tête du pays ne sera pas kabylocratiquement élue, mais tissekedocratiquement élue. Vous comprenez? C'est-à-dire que la seule volonté à Félix, c'est qu'il est comme ça, Moutou président. Qu'est-ce qu'ils font? Voilà. Ils veulent maîtriser la CENI. Ils veulent maîtriser la cour constitutionnelle, ils veulent maîtriser le système de la sécurité, l'armée, la police, les services de renseignement, pour que tant que ça la macambo, pas manipuler le peuple pour que le peuple a le batté. Mais Koulou de Martin Fayulu a dit clair, à Obiboy, cette fois-ci, le peuple ne va pas rester à la maison s'il y a forfaiture électorale. Cette fois-ci, le peuple va protéger son choix. Est-ce qu'il y a quoi? Ngolangaï, Kouloutou Martin Fayulu en tant qu'individu a Okoate. Voilà. Mais peuple a Okoka. Parce que au moment où vous sentez la bombe nyo sur Amoukini, bombe la plus dangereuse, c'est la colère du peuple. Mais Ndeko Bolodja, pour nous avoir une réunion sur Ndeko Martin Fayulu en lobby, qui est en ligne à la équipe, tout en ligne à former. Pour nous avoir une réunion sur Makambu, Oyo, basé sur la réunion nationale, réunion sacrée, et si la nanou, parce que nous avons beaucoup perturbé l'ordre. Ngolangaï, yo avez une réunion sacrée sur base de quoi? En quoi ils ont sacré? Une association de malfaiteurs, bien on y sacré. Bah malfaiteur. On a lobby, n'a pas le temps de faire comme. Ouais. Mboussa Nyamouis. Un malfaiteur dans un monde à Congo. Ma papa n'a pas un malfaiteur. Ah, ok. Mboussa Nyamouis. Un rapport ma pinte. Combo Zali. Roger Lumba a un rapport ma pinte. Combo Zali. N'a pas le temps de faire sur combo. Oh. Puis on a posé tout le temps à venir à peuple. Mais sur ma rambouille à cause de l'union, ce qui n'est pas moi. Union et Zamarum n'a pas moi. Quand les gens se réunissent, pour qu'on défende leurs intérêts au détriment des intérêts du peuple. On est tous les gens qui ont été et maintenant, quand nous allons mourir, nous serons jugés. Nul n'a le droit de faire lorsque les gens violent intentionnellement le droit du peuple. Mais les lois, c'est que tant que vous allez, moi, je suis Moïse Katumbi, moi, je suis un peu plus de temps. Basangaïte? Est-ce que les lots population azotala na mukili mobimba? A copé ça ndeko Martin Fayulu raison na maramba lobaka ou bien ba moninga ke non izanango mama lobité chance izanango. Martin Fayulu ala ko bundate pas a na raison. Voilà. Kouti Martin Fayulu ala ko bunda elongo na biso pour que le pays change. Les lots de to lo babo mutu nyonso a comprendre que cette association c'est une association de malfaiteurs. Na wako démontrer au noir sur blanc. Na tangi oka bato ba bouma. Voilà. Bongo bato ba yibambonga l'état. Bato ba détourna. Ba holande la bango. Mais est-ce qu'on va holande la bango ndeni parce qu'on peut pas être jugé parti. Ba holinga ba kota na gouvernement, bato Félix c'est que la benga bango ba malfaiteurs. Mo wana je pas na bango. Mo na otiko lo bana na zu yango pas na bango. Bato bazaki na kabila babiki ba malfaiteurs, des gens qui géraient mal le pays, les lois ba komi ba sante pour ba passer par le purgatoire. Le peuple n'a pas besoin de ces aventures. Le peuple a besoin d'un changement et le changement a un prix.
Ce que moi, c'est ton limite, c'est sacrifier parce que tu as dit qu'il n'y a pas d'autre choix en dehors de la révolution. Et bon, est-ce que l'équipe Wano Balo, Ndeko Martin Falabi, Azo formulé, on peut na penza qu'on quitte sur le terrain. Est-ce que beaucoup coca a tout le monde à Bamaya, tout le monde à Mambé, Belé, bah problème, bah obstacle, on est-ce que beaucoup coca penza? Ndeko Nangai, entre Maya Moto, na insulte, y a quoi dans la conjo, bah ça ne servit à rien. Yo poeni. Yo en tant que peuple, en tant que souverain, bateau bah se peut, le main moto, na bah il millions à niveau que bah boy choix na yeux à respecter yo ponini, parce que en tant que peuple j'ai doute fort au bang main moto. Est-ce que vous savez combien de gens qui se sont donnés en sacrifice pour que tout le libre au bang net tout le voilà. Mamadou Azab. À Koufa. Est-ce qu'il a choisi à bang qui main moto? Non. Lui où t'as bang il s'est cité, Andimia a se sacrifié pour le pays. Bah on y est tout bah aussi moukendi bazab. Vous êtes trop accroché à la vie. Nous n'avons pas peur de la mort. Il faut faire le choix. Parce que nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Voilà. Comme peine à malaria. Mais nous sommes tous pour le peuple. Nous sommes immortels. Nous sommes tous les deux. 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 Nous sommes tous le roi garde du corps, Athènes, nous avons un ministre. Comme on appelle le mot, le Congo est fan de un monsieur quoi, Kagame, a eu une décision, tout va. Ça, ce n'est pas moi. Je me bats pour la dignité. Et en tant que tel, je suis en train de me battre. Je suis en train de me battre. Je suis en train de malaria, attend la corona, attend l'accident. Mais le roi, c'est un boy, tu connaître l'humiliation, l'opprobre. Il y a un monde qui est là. Il y a un guerrier. Si on a un bateau, on a un rapport contre la mouka, on a un dérognon sur la mouka. Vous pensez que l'eau va se faire à la mouka? Il y a un monde qui est là. Mais c'est bon, le droit. Si on a un sac à nez, on a un look à moi aussi. On a un bana. Après, c'est la personne adresse. Ceux qui ont la bangi à Oya. Voilà. Mais c'est la personne adresse. Il y a un croisement tel, tel, il y a un coup à Yéti. Ce qui veut dire que nous sommes prêts. Tout le monde a le régime. Tout le monde a armes et munitions, banque centrale. Tout le monde a armes et munitions, banque centrale. Soda Molongo ya souk, avant qu'on a 167, il y a 15 000. Donc, pour le jour, je vais vous montrer rapidement. Il y a un point de presse. On a dit qu'il y a un Zando. On a ma maman, on a un bisou à Zando. Le bazali ko lela parce que ndeko gentina lobi azali ko kanga zandu wana po acha vraiment propriété parce que zandu ko tellement salité fois kanga abimisa bango nyonso acha non propriété na uti kuna na ki pena ba leli makasi monte que notre population va comprendre que il faut ba longwa ba chana no bopeto ndeko langa so yo comprendre boye ba ko comprendre mabe oh parce que le mot est vrai mais c'est gentil po ngai ngata na ka komba gentil. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Mais si ça, c'est la confusion. Voilà. Dans la planification, dans la programmation, il faut y aller. On peut faire des choses de manière stratifiée. On n'est pas obligé à faire des choses pour faire la salité. On est entre nous. Vous pensez que la méthodologie n'est pas normale? Quand vous comprenez, quand vous avez un peu de temps, vous avez 500 francs de transport, l'essentiel est comme un Zano. Voilà. À moins que tu aies dit que tu as 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 dit à quoi kondima, ce qu'on est ici est que tu as gagné nous les 20, tu refungola tel jour. Voilà. Mais c'est gentil, il y a mon quoi, il y a bité que jour bah refungola et à quand. Mais ça pour na bien à Bango. Papa, bien à Bango c'est d'abord vivre. Ce qui a coupé na salité, t'as coupé na nzala. Na quoi, mon toi quoi vivre na salité, t'es normal. Non mais attendez, ouais. Ce qu'on vivre na salité pour parce qu'il y a pas de politique. Politique et assainissement ne veut pas dire il faut fermer. Bah quand on a qui les endroits. Je suis en COVID. Je suis en COVID.
Et pour la réhabiliter, il faut qu'on gagne ça. Muto attend bien, oh ayebi marambu bien la planification. Pourquoi que ça on pavillon par pavillon? Bosali pavillon moro bosisi si, bofungoli, bosali pavillon moro bosisi bofungoli parce que bon zani, il y a plus de 30 000 personnes qui vivent grâce au marché. Voilà. 30 000 personnes qu'on aura en termes de personnes déjà qui dit 30 000 ménages. Voilà. Nasima na bango au moins 5 personnes nasima. Vous allez priver 150 000 personnes bloc à relia. Qu'est-ce qu'il a fait? Asali ba wenza bikok ya annexe ba wenza ba 50 personnes ba 30 personnes kuna asali asali assainissement asali ba wenza est-ce qu'il y a des toilettes na wenzo ya asali asali toilettes est-ce que pour nous ça les toilettes il faut qu'on gazane mobi merci beaucoup les locaux ils allaient vous allaient soki to zalia qui na ba député provincial ya solo o ba ponama qui na peuple mutuka gentil na wo za gouverner tout est parti de là na bango so na bango maman qui so na bango ya bien ça asali soaté. Nairobi ça va député on a basali choati ba ABC bango bochai. Yé moko yo. Ba vota ki ko vote yé ne. Ba vote yé té. Ba ABC na bango bochai yé. Ay le quoi ba robo pa 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 ba ba yé bachi. C'est tout. Et donc il faut voyer bazayi. Voilà. Les choses tant que Kabila ko za bateau ba ko za influence ko pona bateau ba ba ponité. Lui gentini rend de compte à qui? Pas au député. Bah député, bah on dépend na mutu mogo, yé a on dépend na mutu wana. C'est qui fait que mogo est à mon mabé. Toi na posa, bah ça va politique spectacle été. Et loco est allé facile à faire. Bossa la plan, un bien un bon programme avec une plan une stratification opérationnelle. En ce moment là, beaucoup yé bah comment orienter les actions et en ce moment là, beaucoup moins là que la population va se retrouver. Tant que Botongi Bazando n'a pas décidé de okay. Laisser ces gens-là continuer à marcher. Ce sont des solutions. Ils ont emploi des refuges. Bah, on va lobby baza pour que nous ayons pavillon par pavillon, mais que quand on a directement dans le mobimba, baza contre yango. Est-ce que nous avons le peuple à l'équipe qui nous dirige à Maëlle? Mon conseil, quel est mon conseil à Maëlle? Mais bah, l'équipe, yo mon retour au lobby, bah, PC proposition y a bouille. Oui, pour nous, avons bouille. Cop. Ndegonazo bisona simana soki endo pakistanais te. Ya linginda sala bakini bopeto. Ezali makambu ya kini bopeto. Kini bopeto liboso ya hotel de ville eza ya salite. Kini bopeto liboso ya hotel de ville eza salite. Yo so bureau na yo. Liboso ya bureau na ye eza salite. Yo so mona oleka na mbula. Te mai tondaka. Bo siko. Kini bopeto ka epa baninga kuna bokisi te. Eh? Eloko eza livre. Mouto a bundara pour le peuple, a la décision pour le peuple. Il y a un compte à rendre à PPT. Et là, il y a des pétains. Et là, il y a des ponama qui, par devoir, ce qu'il pose, c'est ce qui pose problème. Je félicite et j'encourage. Bato, nous sommes au bout de l'idée. Babo, il y a assainissement. Babo, il y a réhabilitation. Mais Babo, il y a des procédés. On ne peut pas envoyer 30 000 personnes à Ndako sans qu'on puisse avoir. Parce qu'il y a des bâtiments. Ce qui parent Zangi revenu à perte d'autorité sur l'enfant, voilà. Conséquence et que Rabakuluna. Il y a moyen de bango et zate moli mais en amai. Voilà. 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 Donc comme il a souka ya les solos à bisou mukona lelo, ndeina esa ki bino tetoya ki bongo ko participer na point de presse en de ko Martin Fayulu et to m'équipe ko solo sou na bande ko oyo bazala ki sur place wana pona ko pesa biso éclaircissement et vous comprendre ndeko bologia lobi alon ndeko bologia comme na souka lilo ba moko na ba inyo so balandi biso. En tout cas, eloko na za ko benga na ba congolais. Ezali que tout ça là est fort tout à la uni pour qu'ensemble tout arriver ko résoudre le problème. Et le coup, on a aussi un coup de Martin Fayulu. A tché cabinet, c'est bon. Mais le coup, on a aussi un coup de a créé une nouvelle dynamique. A benga tous les combattants pour le changement. Bao bazali na poto, bao bazali na Kinshasa, batu nyonso yo bazali bazali ko bunda komba, mais bazali mamba la mukate, a créé dynamique moko ya sika. Pour qu'ensemble, tu aies conjugué l'effort. Comme ça, on sera plus efficace. Parce que tous les éléments malicieux se sont organisés. Mais les gens qui veulent les changements, il faut pas dans la unité de commandement. Il y a un peuple à Ponaye, pas l'Inguye. Voilà. Ce qui est le commandant en chef, il y a cette grande armée, l'armée, il y a changement radical. En ce moment-là, bah, tout le temps, il y a un coup de socle et qu'on permette que tout soit plus efficace. Donc, je crois que c'est ce qu'on a fait en Angola. Et puis, monsieur Zali, le peuple congolais a l'ongola kubanga. Au moins, Kulutu Nabiso a tanga ki message. Il y a Kulutu Martin Fayulu. Peut-être le nom dit, bah, tu vas comprendre. Le ton, voilà. C'était déjà un message. Alors, Sabino, au-delà de ce que je dis,
ayez mon attitude. Attitude ya combat, attitude ya kolongo la kubang. Et donc, vous m'appelez pour que vous ayez net, il y a posé la question, vous posez des questions, vous avez dit que vous avez moto, tout ça, tout ça. Non, il faut tout le monde. Non, mais tout ça, c'est tout le monde. Réalité, tout le monde a un terrain. Il faut que vous ayez un monde tout matin, il faut que vous ayez un gaz lacrymogène à avancer. Il faut que vous ayez un passeau lipiné à avancer. Il y a un monde qui a bissot. Il y a un monde qui a payé. Il y a un monde qui a payé. Bon, aussi, quoi. Na kufi. Bakangi nga me makanisi nga bakangite. Il faut avoir l'esprit à combat. Bino pe ba journaliste à combat. Bo tia na esprit à batu. Ba longula ko banga. Mais ce fait c'est que na botama na mwasi na mobali ndenge mona yo. Il n'est pas un dieu. Okoto ça est parce que za mukolo okoto ça est parce que ça ba lobaka za mukonzi. O suki wana mais soye comme une défense ya ba droit na tu ne peux pas avoir peur de défendre. Ba lobaka to azande mukonzi. Papa a démonté. Azako mille la chaque jour na oyeba nenga mukonzi. A démonté. Merci beaucoup ndeko bolojo. Maman, kobuka na te okali solo Maman Jusnovitz, yende coach le poste en zoto na bino. Ayena bakisi, ozo traité ba tempo, banduta. Boboko na nenga na nenga opesa ka mbindo pe bo soto na kati en zoto na bino Loko la poche des yeux, ride na elongi. Vieillissement, au profiter na cash ne okoma ko bo melongi. Okoma ko ke la nzoto na osoni. Kobuka na te, lukaka ka Maman Jusnovitz, okozonga leke leke. Mwete mwete. Kou, maman a gagné. Babi, maman Jusnovitz, azo soigné, ni on souhaite aller l'opposition, tout on a bien nous. Yo, moutobete la batampo. Et ça, la kèze en vete si la kate. Et le nien zuluka. Et comment le kom batou mena de pour makala. Yaka pote bi docteur Azaka Kamoko. Coach Azaka Kamoko. Kozoe et zan en facile. Azape na Facebook. WhatsApp, basit ni on sur internet. Ce qui est le nom de la produit nae, livraison en oza partout dans le monde. Tobeta www. Jusnovitz.com Azo c'est la paix intuitive. Tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737. Nabwane lisusu plus 44 74 24 025 737. Balapa. Événement. Le maestro de la musique africaine Fabregas, le métis noir. Bonsoir la France. Starte la danse du moment. Après avoir conquis le continent africain, il s'attaque à la salle prestigieuse de double mixte à Lyon. Le 13 mars 2021 à 19h, billetterie au point de vente habituel.